51 000 soutiens. Et j'irai me tatouer le code Unchained sur le corps. Vous êtes à ce jour 24 000 à me soutenir dans la boutique. Vous êtes passé de 19 000 à 24 000. Vous êtes des tarés. 51 000. Je vous ferai une vidéo où je me tatouerai. Donc n'oubliez pas les amis, boutique d'objets, soutenir un créateur, code créateur Unchained comme le nom de la chaîne. Si vous arrivez à atteindre les 51 000, ça veut dire que là, plus que 27 000 personnes et vous atteignez le défi. Yo tout le monde, c'est Unchained, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien aujourd'hui. On est parti les amis pour un défi assez original. Il y a quelques jours, il y a une mise à jour où on a pu apercevoir dans le ciel l'ennemi, le super méchant de la saison, Galactus. Je me suis dit, attends, mais est-ce qu'il y aurait moyen qu'en game, on puisse atteindre Galactus en avance? Parce que là, on le voit dans le ciel et on voit qu'il veut venir vers nous, vous voyez, il veut nous attaquer. Mais est-ce que nous, on peut aller vers lui pour tenter d'aller à sa rencontre le plus tôt possible? Puis d'abord que la vidéo commence, merci en tout cas de ceux qui s'abonneront à ma chaîne secondaire. Si vous voyez cette vidéo là, vous êtes sur la chaîne Unchained Off. Ceci est ma chaîne secondaire et vous êtes plus de 75% à regarder cette chaîne sans être encore abonné. Donc n'hésitez pas les amis à cliquer sur le bouton s'abonner, ça fait trop plaisir. On est bientôt 200 000 abonnés sur la chaîne. 200 000 abonnés sur la chaîne. Vous avez lâché plus de 26 000 likes sur la dernière vidéo. Je l'ai 27 000. Voilà, tu descends. Montre-moi que t'es un déchaîné. Bon visionnage. Déjà, je vais tenter de vous montrer où est-ce qu'on se trouve Galactus. On va aller en labo de combat. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là! Il est là-bas. On le voit dans le ciel, une petite lueur. Et cette lueur, elle a grave augmenté depuis la dernière mise à jour. Dire qu'il se rapproche de ouf. On va tenter premièrement d'y aller à la nage. Donc là, je vole. Direction 269. Position sud-ouest-nord-ouest. C'était port. Ah, mais certainement, il va y avoir une barrière invisible. Obligé. Oh merde, je vais toucher l'eau, là. Dis-moi, je peux continuer à nager, parce que sinon, toi-même, tu sais, que... Il est où? Ok, il est toujours là-haut, nickel. Oh, oh putain, j'ai une barrière. La vie, j'ai une barrière. Putain, il est là, on le voit large mieux, là. Bon, alors là, j'ai une barrière. Donc, barrière veut dire quoi? J'ai déjà fait face à ce problème-là. Il faut utiliser un véhicule. Je pense que je vais prendre un bateau. Je vais faire la même technique quand j'avais réussi à aller au vaisseau. En traversant la barrière, je vais faire la même chose ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va respawn, prendre le bateau. Tu peux pas pour attendre, clochard. Hein? Déjà que t'as foutu un bordel depuis qu'un Iron Man m'amène. Y'a que des constructions de partout, mec. Putain, mais gros, mais je suis loin de ouf! Regardez, là, déjà, toi, le vaisseau, il est là, frère. Donc, ça veut dire que j'ai déjà dépassé l'arrière du vaisseau. J'ai l'impression que je suis plus loin que tout à l'heure, déjà. Donc, on avance, c'est cool. A few moments later. Parce que, vu comment il est gros, ça veut dire que si je vais être à côté de lui, le... What? Mdoulek Narchetan. En fait, la première barrière que j'ai eue quand j'étais en train de voler, on l'a dépassée avec le bateau. Sauf qu'après, il y a une autre barrière qui te tue, qui détruit le bateau. On va essayer en hélicoptère. Come on with me, amène-moi. Faire Galactus. Ah là, regardez, regardez. On distingue une barrière. On le voit trop bien là. On reconnaît sa tête. What? What? Mayday, nous avons un problème! Nous avons un problème! L'hélicoptère a explosé! On a un mur invisible! Il faut qu'on cherche à traverser un glitch! What the fuck? Mayday, ma. Sans excusez-moi, j'y crois un peu trop. Oh non, donc ça veut dire que là. Ok, donc là, la technique qui a amené le plus loin pour l'instant, c'était le bateau. Sauf que le bateau, il a explosé. Peut-être que j'aurais dû descendre avant que le bateau explose. Ou sinon, je peux tester la technique secrète. Est-ce que vous voulez voir la technique secrète? Tu vois la technique secrète? N'hésite pas à t'abonner tout de suite. On va voir s'il nous donne des trucs sympas. Sympa le coffre, j'adore! C'est quoi ce bordel? J'adore ma vie, elle est trop bien, ouais. Bon, ok. Solution de secours. Maintenant, il faut que je trouve des rebondisseurs. Alors, nous devons aller là-haut. Là-bas, vous êtes d'accord? Donc, on va faire une montée comme ça pour pas se prendre les arbres. C'est aussi simple que ça. Il faut m'amener premièrement manger. Alors, ça, c'est. Je sais pas. Hein. Mais en fait, c'est qu'on va manger plein de trucs et on va faire un saut de taré sa mère. Alors, on va manger ça. On va manger ça. On va jeter ça là. On va prendre ça, sauter. Et. Je monte haut, mais c'est pas assez encore. Oh putain! Tout va bien, 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 tout va bien. Oh! Hop!
putain. Donc là, attends, je suis passé quand même de ici à ici avec un rebondisseur. Donc je me dis que si par exemple je suis là-bas, la barrière, et que la barrière elle m'embête, elle m'empêche de passer, et que j'utilise cette technique, peut-être que je vais pouvoir passer au-dessus de la barrière. Tu vois ce que je veux dire? Là maintenant, on va passer à l'étape supérieure. Donc déjà, imaginons que je meurs. Je vais laisser mes quelques items ici. Je vais garder que ce que j'ai réellement besoin. Ce qu'on va faire, c'est monter au tormax. On va prendre du build. On va s'avancer en limite. C'est y part. Toi-même, t'es pas prêt, ma main. Je pense que là, on a une bonne hauteur, ma main. On va faire des petits plats. On le bouffe. On pose ça. On saute. Pourquoi je... Ah! Non. Pourquoi ça fait pas? Oh putain. Ça l'a fait, mais quand je suis revenu... Quoi ? Vous avez vu comme je suis allé vite, genre pendant 15 secondes, genre ? Je suis allé à l'horizontale extrêmement droit, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. Mais je comprends pas, là, il me manque un délire. Je vais le faire un truc dans l'eau, parce que j'ai l'impression que ça fait un truc bizarre dans la waters en fait. Donc, on va prendre le piment. Galactus est devant. C'est y part. On va nager. Oh, ça le fait ! Allez, on y va, comme ça, ma main. Comment je peux le réutiliser, le truc ? Oh putain. What? Attends, mais comment je suis allé loin? Je suis à 1000 mètres. On va continuer. Hein. J'ai plus le pouvoir. Bon, on va faire demi-tour. Donc en fait, j'ai l'impression que le glitch, il fonctionne que quand on part de l'eau, de la waters. Donc ça veut dire que si je suis en haut là... Donc le délire, m'amène toi-même, tu sais, m'amène. C'est que je sois comme ça. Hein. Je vais mettre le truc ici. Je vais aller dans l'eau. Dans l'eau, je mange le fish. Et j'utilise le pouvoir. Ah ben voilà! Allez, au revoir! Je vous aime! Oh putain! Oh merde! Je suis à 700 mètres. On va continuer. Oh. Ah, je suis à la barre! Je suis à la limite! Et Théo, ça m'a pris combien de temps pour faire 1500 mètres? Genre, juste fais le calcul. Donc, la dernière alternative, ça serait de prendre full de build, prendre le bateau, traverser la barrière. Avec le bateau, c'est avec le bateau qu'on va le plus loin. Sauf qu'en fait, de descendre du bateau avant qu'il explose et y aller en posant du build. Ce qui veut dire que là, je suis à Holy Edge, 1500 mètres. Faudrait que je mette un point, par exemple, si je mets un point à l'autorité. L'autorité marque c'est à 1200 mètres. Stark Industries c'est à 1500 mètres. C'est à dire que là, on remarque pas trop. Mais où je suis allé en l'espace de très peu de temps et qui voudrait à aller de ici à Stark Industries pareil. Donc c'est à dire que ce glitch là, je pourrais aussi le tester en game normal. Ça pourrait être plutôt sympa. Ça t'y part. Ce glitch il est cool, mais il me permet en aucun cas de me rapprocher de Galactus. Donc bah ça fait chiant en fait. Ok, on tape pas notre cap les gars, attention là. Oh putain, la tempête de ça. Tout va bien. On va devoir traverser cette tempête extrême. On commence à arriver quasiment au-dessus. Oh putain, j'ai le glitch. Ok. Pourquoi mon bateau il vole? Je vole. Je suis en train de voler sa mère. Regardez. Attends, vous voyez ou pas les gars? Oh, je peux accélérer. Oh, c'est quoi ce beans? Je retombe. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ou... Je suis à 3000 mètres. Bon, nous on va continuer. Hein. Bon, on va continuer d'avancer comme ça, gros. On va pas accélérer. Donc tu veux dire, si je continue comme ça, je vais faire comme ça jusqu'à Galactus en fait. GG le chat, GG le stream, on a fait notre maximum pour atteindre Galactus. J'ai envie d'aller en rediffusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais what, gros? Mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Non mais les gars, je vous avais dit que j'étais au sa mère. Et j'avançais, regardez. On voit que le bateau il avance. Là gros, j'allais plus en pleine direction de Galactus en plus. Et là je meurs, je sais même pas pourquoi. Là, vous voyez ce trait? Vous voyez ce trait de merde là? Cette délimitation, c'est cette délimitation qui me fait mourir. Si mon corps va plus loin que cette délimitation, je meurs. Regardez, on est tellement loin qu'on voit même pas la map. On voit le phare. Tout Galactus. Fils de pop, on le voit bien là.
vous entendez le bruit que ça fait quand je le regarde. Eh bien écoutez les amis, on aura fait notre maximum afin d'atteindre l'ennemi numéro 1 Fortnite, Galactus. J'ai passé exactement quasiment 2 heures à tenter de l'atteindre. On a fait des trucs assez délirants, je trouve. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires si vous avez une technique pour que je puisse me rapprocher encore plus de lui. Je lirai avec précaution les amis. N'hésitez pas aussi à me contacter sur Twitter si vous avez des glitches que je ne connais pas afin de pouvoir l'atteindre. Je vous fais la bise les boys. Merci en tout cas à ceux qui lâcheront un pouce bleu. Merci aussi à ceux qui s'abonneront. Et n'oubliez pas le défi bouti d'objets 51 000 soutiens. Je me tatouerai le code Creator Unchained sur le corps. Ciao bye, Steven.